Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, encore une journée bien grise. Oh, ils ont annoncé du froid, et ben ils se sont pas trompés hein, parce que c'est glacé dehors. Ce qui a plus tristouné, c'est que c'est gris en fait, le ciel il est gris. En plus il y a un petit vent, autant vous dire que c'est un petit vent glacé. Et avec le froid, ça donne, mais pas du tout envie d'aller dehors. C'est dans ces moments-là que je suis contente d'être à la retraite. Parce que comme ça, je ne suis pas obligée de sortir. Parce que pour ceux qui doivent aller travailler, ça, c'est pas marrant. Ça me rappelle quand je devais sortir, que je devais partir travailler, que je regardais dehors. Et que je voyais un temps comme ça, aussi triste, aussi froid. Mais bon, on n'avait pas le choix. Hein. Quand on n'a pas le choix, limite, on n'y pense même pas. Allez, on se dépêche, hop, on y va, on y va. Mais là, qu'on a le temps de regarder, d'admirer, de réfléchir à tout ça, on se dit qu'est-ce qu'on est bien à la maison malgré tout quand il fait des temps comme ça. Oh là là. Alors, on se retrouve pour l'ouverture d'une d'un petit courrier, pardon. D'un petit courrier, une carte que j'ai reçue de Sylvie P. Du 74. Sylvie, elle m'envoie régulièrement, une petite carte en fait, c'est régulièrement en fait que je reçois une petite carte, ça fait vraiment vraiment plaisir, parce que c'est vrai que de nos jours, on s'écrit plus beaucoup, hein, faut avouer. Hein. Et c'est pas l'augmentation des timbres qui va faire changer les choses, bien au contraire. Et je trouve ça vraiment gentil de sa part. Donc j'ai déjà ouvert. Mais on va découvrir ensemble la carte. Voilà, hop, comme ça. Hop, il n'y a rien. Et elle est. Eh ben, elle est comme ça. Regardez, elle est trop, trop jolie, cette carte. Regardez, hop, hop. Alors, elle a fait la base de carte, c'est du papier aquarelle de chez Action. Voilà. Et elle a fait un premier matage avec du papier rouge. Un deuxième matage avec du papier blanc. Et ensuite, elle est venue coller son mot « Bonne année ». J'aime bien ce die-là. Je ne le connais pas, mais ça fait super sympa, le Bonne Année. Et le die-cut en 3D qui est magnifique. Alors, je pense que c'est dans... Vous savez, cette année, dans les blocs de Noël, dans les petits, il y avait des cartes en fait, à faire en 3D. Voilà, avec des die-cuts en 3D. Donc, je pense que c'est ça. Parce que j'en ai pas. Je crois pas que j'en ai utilisé. Non, j'en ai pas utilisé cette année de des derniers. En tout cas, ça fait super joli. Vraiment. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Ça fait très beau. Et du coup, hop, une petite carte. Alors, je lis vite fait. Nanana. Écoute, bonne année à toi aussi. Hein, et oui, une bonne santé. Parce que avec une mauvaise santé, franchement, voilà, sans la santé, on n'est pas grand-chose. Hein. Donc, une bonne, bonne santé. Et évidemment, beaucoup de bonheur, plein de bonnes choses. Et pour toi et puis ta petite famille, en fait. Voilà. En tout cas, c'est super gentil de penser à moi comme ça régulièrement. Voilà. Merci de me suivre, merci de regarder régulièrement en fait, hein, voilà, mes vidéos, parce que c'est quand même grâce à ça que ma chaîne elle vit en fait, hein, grâce à tous vos passages, vos petits pouces en l'air, vos commentaires. Donc merci, merci de me suivre. Et je suis toujours un petit peu
Enfin, ça me touche en fait. Je sais pas, je trouve pas forcément les mots pour le dire, mais je suis énormément touchée quand vous pensez à moi comme ça. Voilà, que vous m'envoyez une petite carte juste pour me souhaiter la bonne année. Je trouve ça vraiment super, super gentil. Voilà. Et donc, merci, merci, merci Sylvie. C'est vraiment adorable de ta part. C'est trop gentil. Et puis à ceux hein, qui m'ont envoyé, puisque j'en ai reçu quelques-unes, vraiment, vous êtes. Super, voilà, merci, merci. Voilà, bah écoutez, bah voilà, hein, c'était juste pour vous montrer cette petite carte. Voilà. Et sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Encore un énorme bisou à Sylvie. Et merci, merci. Voilà. Hop, pourquoi ça fait ça? On dirait que ça fait comme si c'était un peu. Vous voyez, c'est fou, le nœud là, vous voyez, il est rouge foncé. Quand vous le voyez comme ça, là, on dirait que c'est clair. Mais en fait, non, c'est fou, vous voyez, c'est foncé. C'est fou comment ça fait toujours. La couleur, elle est toujours. Là, en plus, comme je vous dis, dehors, c'est tout gris. Alors, je trouve que ça accentue encore plus. Bon, allez, sur ce, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Gros bisous Sylvie et merci et bonne année à tous.